Donc aujourd'hui, c'est la journée de restitution des story maps, donc dans le cadre du concours SIGE au collège Parcours de la Flamme Olympique. Ça s'inscrit dans le cadre du programme SIGE au collège qu'on a mis en place au département depuis 2017. C'est un déploiement d'outils numériques, d'outils géographiques qu'on propose aux collégiens pour mener à bien leurs projets numériques. Donc en fait, les critères du concours sont proposer un parcours fictif de la Flamme Olympique qui ne devra pas dépasser 250 km et devra entrer et sortir à un point bien précis du département. 8 collèges sont venus défendre leur projet. C'est 171 collégiens qui ont travaillé sur les story maps. L'objectif de cette action pédagogique, c'est de déployer le numérique, faire découvrir l'information géographique et permettre aux collégiens de mener à bien des projets pédagogiques sur des thématiques très très variées. Le département de l'Aisne est un département pionnier. Le programme SIGE au collège, initié par le département de l'Aisne, est une très belle illustration de ce que permet la collaboration entre les professionnels du SIGE et le monde de l'éducation et de la pédagogie. Pour nous, ce programme est essentiel en matière d'innovation numérique. Notre prix annuel récompense une organisation qui fait vraiment la différence avec sa stratégie SIGE, qu'elle soit ambitieuse et innovante. Et cette année, on a décidé de récompenser le conseil départemental de l'Aisne. Moi, ce qui me plaît beaucoup aussi au conseil départemental de l'Aisne, c'est que pour eux, le SIGE, c'est un vrai terrain d'innovation, d'expérimentation au service du territoire. Bienvenue chez nous. Alors, j'ai le grand plaisir de vous remettre le prix SIG 2023 pour tout ce que vous faites, pour tout le travail notamment de l'équipe de Fabrice. Bravo à vous. Un grand merci à vous, et on le reçoit vraiment ensemble avec Fabrice, parce que c'est vraiment lui, avec l'ensemble des équipes du pôle SIGE, qui porte ces magnifiques projets. On est fiers parce que ça inscrit aussi toute la dynamique qui est celle du département sur les questions du numérique, et précisément là sur le SIGE.